Moi, j'ai choisi la photographie parce que moi, j'ai commencé à faire les photographes quand j'avais 15 ans. Et donc, j'ai toujours aimé la photographie. Et pour moi, c'est exactement ma vie. Donc, je ne peux pas penser de vivre et de faire quelque chose sans la photo. Et la photographie, c'est quelque chose de... C'est un médium qui est le plus important pour moi pour la recherche contemporaine, parce que c'est la vraie chose qu'on utilise pour communiquer maintenant. C'est plus d'écrire, mais c'est de photographier. C'est, pour exemple, Instagram et toutes les choses comme ça, c'est devenu un langage universel. Moi, j'aime pas le noir et blanc, et donc parce que moi, je considère le noir et blanc comme un effet, donc quelque chose qui c'est différent de la réalité. Et moi, je suis un photographe objectif, donc j'aime de prendre des photos de la réalité et de rien changer. Donc c'est la choix que j'ai fait des sujets, qui c'est quelque chose d'artistique, mais je change pas les sujets. Donc le noir et blanc pour moi, c'est un effet. Mais c'est une question personnelle. Mon source d'inspiration, c'est... Moi, j'aime beaucoup la photographie allemande des Becker. Donc, j'aime reprendre la photographie objective des années 60-70. Et donc, et c'est surtout la photographie, oui, qu'on peut considérer comme objectif, l'objectivité de l'art allemand. S'il existe vraiment une photo idéale, je pense que non. Non, l'idéal, c'est de, quand je regarde une photo, de voir quelque chose de différent en relation à la réalité. Donc c'est une interprétation des réels que c'est la vraie photographie. Oh, moi, j'aime beaucoup de faire des livres. Les livres, pour moi, ils sont quelque chose d'essentiel dans le travail des photographes, parce que c'est quelque chose que tu peux construire avec beaucoup de photos, avec beaucoup d'images. Donc, tu as un parcours que tu peux faire. Et donc, pour moi, je suis en train de penser à un nouveau livre. Et donc, on ne sait pas exactement que c'est. Je viens de publier un il y a 15 jours. Et donc, ce n'est pas évident d'avoir l'idée de les prochains. Mais en tout cas, il sera un livre. Moi, j'arrive devant Dieu et... Bon, j'espère bien que la photo, il sera toujours là, parce que je ne suis pas sûr.